الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le jeûne de Ramadan, ça fait partie des jeûnes obligatoires. Et d'ailleurs, principalement, parmi les principes de la pratique de l'islam, parmi les principaux devoirs de l'islam, il y a également le jeûne du mois de Ramadan al-Mubarak. Le mois de Ramadan, c'est le 9e mois de l'année lunaire. C'est le meilleur mois de toute l'année, le meilleur mois de toute l'année. Allah Azzawajal a ordonné de jeûner à toutes les ummas précédentes et à nous aussi. Les ummas précédentes, musulmanes bien entendu, depuis Adam alayhi salam et arrivé à notre umma, la umma muhammadienne. Mais les autres ummas ne faisaient pas le jeûne pendant Ramadan. C'était pas le mois qui leur était réservé. Le mois de Ramadan nous a été réservé à nous, le meilleur des mois, pour la meilleure des ummas. La umma du Habib Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui le meilleur de tous les anbiya, alayhim as-salat wa salam. Donc le jeûne obligatoire, fard, est celui, principalement, fard, le mois béni de Ramadan. Deuxièmement, al-qada de Ramadan, au cas où il y a des jours manqués. Lorsque on vient aller rattraper, ça sera fard également. Donc le rattrapage de jours manqués de jeûne obligatoire de Ramadan, que ce soit des jours manqués par faute, par négligence, ou manqués par excuse valable, le rattrapage est considéré comme fard. Jeûne obligatoire fard également, il y a le jeûne des kaffara. Qu'est-ce que nous appelons kafara? Il s'agit d'expiation de certaines fautes, telles que la rupture de son jeûne durant un jour de Ramadan, jeûne décidé depuis la veille et non seulement durant la matinée. En consommant un aliment ou un médicament délibérément, sans excuse valable, sans confusion prise en considération et consciemment, sans que ce soit par oubli du jeûne. Donc, la première sorte de Al-Kafara que nous traduisons par expiation, c'est lorsqu'il y a eu faute à partir de laquelle il y a eu rupture du jeûne d'un jour ou de plusieurs jours de Ramadan. Donc, la kafara d'un ou de plusieurs jours, c'est toujours la même. Si c'est dû. Alors, là où il y a kafara, c'est lorsqu'il y a une rupture du jeûne ayant eu une intention, dépendant d'une intention depuis la nuit, avant Al-Fajr. On rappelle une chose, que d'après le madhhab de l'imam Abu Hanifa, si quelqu'un n'a pas eu l'intention, il a oublié d'avoir l'intention au cours de la nuit avant Al-Fajr, et il a eu l'intention de jeûner le jour de Ramadan dans la matinée, le jeûne est valable. Bien sûr, s'il n'a pas mangé, s'il n'a pas consommé auparavant. La nuit, toute la nuit, il n'a pas pensé à ça. Il n'a pas du tout pensé à jeûner le lendemain. Et il arrive au Fajr. Après Al-Fajr, il a décidé que ce soit un jour de jeûne, de Ramadan. Le jeûne est valable. Dans d'autres madhahib, comme le madhhab de l'imam al-Shafi'i, radiyallahu anhu, l'intention n'est valable que si elle est au cours de la nuit, dans l'intervalle du Maghrib au Fajr, pas après. Dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, il y a des détails. Si c'est pour Ramadan, par exemple des jours comme Ramadan, le mois de Ramadan, bien sûr, principalement l'intention est au cours de la nuit, ça veut dire dans l'intervalle depuis Al-Maghrib jusqu'au Fajr, mais si elle est décidée dans la matinée, le jeûne de Ramadan est valable.
Si ce jour de jeûne a été décidé dans la matinée et non la veille, et il finit par rompre le jeûne, il n'y aura pas kafara. La kafara est lorsque le jeûne est décidé depuis la nuit. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, il s'agit d'expiation de certaines fautes, telles que la rupture de son jeûne durant un jour de Ramadan, jeûne décidé depuis la veille. Donc, ça, c'est un critère important pour qu'il y ait kafara. Et non seulement durant la matinée. En consommant un aliment ou un médicament, délibérément. Alors, le médicament, lorsque nous avons une excuse valable pour ne pas jeûner, c'est tout à fait normal de ne pas jeûner et on prend des médicaments. Mais là, on parle de celui qui prend ce qui se consomme sous appellation alimentation générale ou sous appellation remède ou médicament. Alors qu'il n'y a aucune excuse. Eh bien, dans ce cas-là, il y a kafara, en conséquence. Sans excuse valable, bien entendu, sans confusion prise en considération. Parce qu'il y a des confusions qui ne sont pas prises en considération. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Donc, lorsque la confusion n'est pas prise en considération, consciemment, sans que ce soit par oubli du jeûne, dans ces cas-là, dans ce cas-là, avec ces critères, il y a kafara. Également, le jeûne kafara est également fard pour certains manquements tels que le serment manqué selon certaines conditions. Quelqu'un qui a dit, je jure par Allah, au nom de Allah, je jure par Allah que telle chose je ne la ferai pas, telle chose je ne la toucherai pas. Et puis après, il a contredit ce serment. Donc, il est revenu sur son serment. Étant donné qu'il a fait le serment, al-yamin, on appelle ça al-yamin dans la langue arabe, il est revenu dessus, alors que al-yamin était au nom d'Allah, un des noms d'Allah, Allah, ar-Rahman, ar-Rahim, al-Hayy, al-Qayyum. Il revient dessus donc. Là, dans ce cas-là, il y a une kafara. La kafara n'est pas directement jeûner les 3 jours. D'abord, c'est la kafara, d'abord, c'est le choix entre affranchir un esclave ou donner à manger à 10 pauvres ou leur donner à ces 10 pauvres des vêtements, les couvrir. Ça veut dire couvrir un vêtement, quelque chose qui couvre correctement. Si on ne peut pas, si on n'a pas les moyens de faire un de ces 3 choix, de toute façon, affranchir un esclave de nos jours, on ne peut pas. Donc, il va falloir se concentrer sur soit donner à 10 pauvres à manger, soit leur donner des vêtements, chacun. Si on ne peut pas, on n'a pas les moyens, on passe à la troisième chose, à l'alternative, qui est de jeûner 3 mois. Excusez-moi, de jeûner 3 jours consécutifs dans le madhhab Hanafi, on insiste pour que ce soit 3 jours d'affilée. Donc le jeûne kafara est également fard pour certains manquements tels que le serment manqué, ça s'appelle fard. Le jeûne fard est également le jeûne nadhr. Un nadhr, le vœu solennel, est également fard. Le nadhr, quand quelqu'un il dit Lillahi alayya, ça veut dire je m'engage envers Allah de faire telle ou telle chose, et là en l'occurrence de jeûner. Quelqu'un il dit Lillahi alayya que je jeûne un lundi. Quelqu'un qui dit Lillahi alayya que je jeûne un jeudi. Là on ne parle pas de Ramadan au cours de l'année. Eh bien, la réalisation de ce vœu solennel, engagement envers Allah azzawajal par ces termes, et non pas avec une intention sans rien dire. Il s'agit de quelque chose qui a été prononcé. Là, ça s'appelle nadhr, et le nadhr est un fard à exécuter. À noter que pour les 2 derniers cas, celui du jeûne kafara et celui du nadhr, il y a divergence à ce qu'on les considère fard ou wajib. Il y a une différence chez les Hanafis entre fard et wajib. Fard, c'est ce qui est ordre du premier ordre. Wajib, c'est une obligation d'ordre secondaire.
Ça veut dire d'ordre d'importance moindre. Ok. Le jeûne wajib. Le wajib est l'obligation de second ordre, obligation de moindre importance par rapport à celle de al-fard. Alors, comment les fuqaha hanafi arrivent à distinguer, à décider ceci wajib et l'autre c'est fard? Pour eux, le fard, c'est ce qui est enseigné en tant que tel à partir de textes extrêmement fiables, de la plus haute fiabilité, et également avec exprimé de façon explicite, sans confusion aucune. Par exemple, ce qu'on appelle les cinq salats quotidiennes, c'est des fards. Pourquoi? Parce que le texte, il est explicite et il ne laisse aucune confusion à comprendre de travers. Et également, les textes qui ordonnent aux salats sont des textes les plus fiables, la plus haute fiabilité. Le jeûne de Ramadan également. Alors, ce qui est déduit, parce que le texte, il est probable, il peut laisser entendre le sens du texte qui ordonne, peut laisser entendre que c'est obligatoire comme que ça ne l'est pas. Dans ce cas-là, les fuqaha hanafi, ils ne l'appellent pas fard, ils vont l'appeler wajib. Très bien, c'est par respect et par loyauté envers le texte. Lorsque le texte, il ordonne, mais l'enseignement exigeant n'est pas à ce point-là explicite, ou le texte n'est pas à ce point-là de la plus haute fiabilité, ils vont dire, il est wajib, donc la conséquence est que c'est un wajib et on ne va pas l'appeler fard. Donc, qu'est-ce qui est wajib? Qu'est-ce qui est jeûne wajib? Le rattrapage de jours de jeûne non obligatoire que le jeûneur a choisi de rompre. Quelqu'un a décidé de jeûner un lundi, un jeudi, dans la semaine, mais on parle d'en dehors de Ramadan. Dans le madhhab de l'imam Abu Hanifa, une fois le jeûne est engagé, on n'a plus le droit de le rompre. Bien sûr, ce n'est pas aussi grave que de rompre un jeûne qui est fard, comme le jour de Ramadan. Et alors, si quelqu'un a décidé de le rompre, il devra rattraper. Et on considère que ce rattrapage d'un jeûne comme celui-ci est wajib et non pas fard. Parce que l'obligation de ce rattrapage n'est pas à partir d'un texte de la plus haute fiabilité et l'obligation n'est pas explicite à ce point-là. Elle est plutôt déduite par probabilité selon les Hanafis. Donc, un jour de jeûne non obligatoire, une fois entamé, une fois engagé, il est défendu et interdit de le rompre. Toutefois, cela est permis pour des excuses valables, telles un problème de santé, d'ailleurs, même pour le fard, ou une invitation à un repas pour ne pas vexer son hôte. Alors, bien entendu, quand il s'agit de quelqu'un qui peut être vexé, on ne parle pas de quelqu'un qui est ami et que il peut l'accepter très facilement. Ce dernier cas d'excuse l'est uniquement lorsque le jeûne observé n'est pas obligatoire, bien entendu. Maintenant, on parle des conditions d'obligation. Le jeûne, il a des conditions d'obligation. Le jeûne de Ramadan est une obligation. Le mois commence soit à partir de l'apparition du premier croissant de lune au coucher du soleil du 29e jour de Sha'ban. Donc c'est le 29 Sha'ban qu'on commence au Maghreb, on commence l'observation. Pas avant, mais c'est au Maghreb. Avant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller regarder, mais de toute façon, il ne va pas apparaître avant. Il n'apparaîtra qu'après, qu'à partir du coucher du soleil, et il va rester pendant à peu près une vingtaine de minutes. Alors, ça peut aller un peu plus, mais généralement, ça ne va pas aller très, ça ne s'étale pas plus que ça en général. Ceci ne peut être attesté que selon des témoignages oculaires simples et non selon un calcul ni à partir des appareils d'observation détectant
ce que les yeux seuls ne peuvent pas voir. Si jamais quelqu'un il l'a vu à travers donc un appareil, il va falloir, pour que ce soit un témoignage accepté, qu'on écarte. Donc une fois qu'on a repéré l'endroit, on écarte et on regarde normalement, avec les yeux normalement. Et si on arrive à le voir, ça veut dire que n'importe qui peut le voir. À ce moment-là, on peut témoigner que le mois de Ramadan a commencé. Soit, s'il y a des nuages empêchant la visibilité au 29e Sha'ban, au coucher du soleil, Sha'ban sera reconduit jusqu'au 30. Et donc, le lendemain, ça sera le premier Ramadan. Alors, d'après les Hanafis, on a besoin, lorsque le ciel est dégagé, on a besoin de beaucoup de témoins. Beaucoup de témoins parce qu'il n'y a rien qui empêche la visibilité. À partir de là, on a besoin, à la grandeur de l'importance de ce jour-là, et étant donné que c'est accessible à tous, et étant donné que le ciel il est dégagé, donc n'importe qui pourrait voir, donc il va falloir, en conséquence, un nombre important. Il n'y a pas de limite. On ne va pas dire, donc il limite ça à 20 ou à 2 ou à 30 ou à 10. Non, dès lors que c'est considéré comme suffisant, il y en a assez, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, ça marche à ce moment-là. Si maintenant le ciel, il n'est pas dégagé, donc ce n'est pas évident que tout le monde puisse voir. Là, on accepte même un seul témoin. Et pas obligé que ce soit... Comme chez les Shafi'iyya, ils exigent au moins un témoin adl, ça veut dire juste. Les Hanafis, ils n'ont pas cette exigence dans ce cas-là. Donc, ça peut être aussi un homme, une dame, voilà. On sont concernés. Les Malikis, eux, pour eux, il faut deux témoins. Deux témoins justes. On sont concernés. L'obligation du jeûne de Ramadan concerne tout musulman sain d'esprit, pubère ou ayant 15 ans lunaire. Alors, pourquoi on parle de 15 ans lunaire? Ça veut dire si, au cas où la puberté a tardé. Imaginons qu'il n'y a pas eu, donc, physiquement, ce qu'on appelle la puberté. La puberté, on la constate avec l'émission du sperme. Ça, c'est pour le garçon. On la constate avec, par rapport à la fille, avec la jouissance qui provoque le mani, qui est l'équivalent du sperme. Ou alors, les règles, le sang des règles. Et si, à défaut, cela tarde, donc, on considère 15 ans lunaire, à défaut, donc, l'âge, même si la puberté physique avec l'émission du sperme ou son équivalent féminin ou avec al-hayd de la fille, ça n'a pas eu lieu encore. Donc, 15 ans lunaire, c'est déjà considéré comme une puberté d'office. Toutefois, est concerné par son obligation et non par son effectuation sur le champ, la personne souffrant de maladie ou de douleurs incurables ou affaiblie par la vieillesse au point de ne pas pouvoir jeûner, paie une fidya, compensation, chaque jour qu'elle manquera de Ramadan au lieu de le jeûner. Et de toute façon, la fidya donc, ce n'est pas pour celui qui est souffrant tout simplement. Ce n'est pas parce qu'on est âgé. Si on est âgé et avec cet âge-là, le corps est affaibli et il va de plus en plus en faiblesse, et donc cet âge-là, avec cette faiblesse-là, ne lui permet pas de jeûner. Et plus ça va dans le temps, plus il va devenir faible. Et donc là, il n'y a pas de jeûne, il n'y a que la fidya. Qui encore? Celui qui est gravement malade, et sa maladie, elle va en se détériorant encore, en détériorant la santé de plus en plus. Donc, il y a un constat indubitable, les médecins, c'est connu, qu'il s'agit là de problèmes de santé graves et qui va en persistant, voire en s'aggravant. Donc, il n'y a aucun espoir de guérison. Et cette maladie ne permet pas de jeûner. Ça veut dire que le cas de santé va prendre un coup grave. On va perdre la faculté de certains membres
où ça va aggraver sérieusement l'état de santé de la personne. Dans ces cas-là, il y a fidya. Une dame qui est enceinte, elle ne paye pas de fidya. Même si elle a encore 9 mois devant elle, et puis après, il va y avoir le nifas, donc l'élouchi, le sang, suite à l'accouchement, et puis après, il va y avoir l'allaitement, et peut-être que son état de santé ne lui permettra pas, avant 2, 3 ans, de rattraper, eh bien, il n'y a pas de fidya, elle va attendre le moment opportun, et elle rattrapera. Voilà une dame, par exemple, qui est enceinte, et son état de santé, parce qu'elle est enceinte, ce n'est pas toutes les femmes enceintes. La dame enceinte et qui est dans une situation qui ne lui permet pas de jeûner, parce que c'est un danger pour son corps à elle ou pour le bébé, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de jeûne. Et elle ne paye pas de fidya. Alors, elle va se dire, oui, mais j'ai 9 mois devant moi. Et après, l'allaitement. Et après, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Peut-être l'allaitement va durer 1 an, 2 ans. Et peut-être que son cas ne lui permettra pas de rattraper que 3, 4 ans ou 5 ans plus tard. Eh bien, il n'y a pas de fidya. Elle attend le moment où elle peut rattraper, elle rattrape. Donc, ce n'est pas à chaque fois qu'il y a un problème de santé qu'il y a une fidya. La fidya, c'est par rapport au vieux qui est arrivé à un stade où la vieillesse a affaibli très sérieusement son corps, auquel cas il ne peut pas jeûner. Et il ne pourra pas envisager recouvrer la jeunesse pour recouvrer la force physique pour pouvoir rattraper. C'est clair que il va en se dégradant. Enfin, l'état de santé va en se dégradant. Dans ce cas-là, il y a fidya, il n'y a pas de jeûne, et parce qu'il n'y a pas espoir de rattrapage. Pareil que le vieux, celui qui est en état de maladie grave, un sérieux problème de santé qui est incurable. On ne parle pas de quelqu'un qui a un problème de santé qui peut durer 10 ans, 20 ans, et puis après, il va guérir. Il y a espoir qu'on le soigne avec une opération ou autre et il finira par recouvrer la santé. Dans ce cas-là, il n'y a pas de fidya. Ça ne sera pas valable de donner une fidya. Très bien. Paiement de la fidya. Le paiement de la fidya doit être fait chaque jour manqué. Donc, le cas de la fidya, on a expliqué ce que c'est. Le paiement de la fidya doit être fait chaque jour manqué au jour le jour. Mais elle peut être payée pour tout le mois à l'avance dans le madhhab hanafi. Ou même reportée pour être payée pour tout le mois à la fin de Ramadan. La fidya est la compensation. Il s'agit de ce que l'on doit payer, soit en remplacement du jeûne que l'on ne peut ni effectuer pendant Ramadan, ada, ni après en rattrapage, qada, en raison d'une vieillesse qui a affaibli le corps considérablement et affecté la santé dangereusement, d'une maladie incurable qui ne permet pas de jeûner. Là, on parle de maladie grave. Qu'Allah Azzawajal vous en protège. Qu'Allah Azzawajal nous en protège. Soit d'une compensation de jours de jeûne ou de prière due au rattrapage qada et dont la mort s'y est interposée. Dans le madhhab hanafi, il y a cette affaire de voir que on est arrivé à un stade où on ne peut plus rattraper. On avait l'occasion de rattraper, mais on n'a pas pu rattraper. Dans ce cas-là, on va dire quoi? On va dire à la famille, je paye la fidya, vous payez la fidya de ma wasiya. Vous payez ma fidya de ma wasiya, ça veut dire de mon héritage. L'homme dispose, ou la dame, on dispose du tiers de ses biens pour ce qu'on appelle les légataires, les héritiers légataires, le legs, pas les testamentaires, pas les héritiers qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, pas la famille très proche. Donc il a le droit, il dispose du tiers, le plafond tiers de ses biens. Alors y compris dans ce tiers-là, il y a les fidyas de prière manquée qu'il n'a pas pu rattraper et de jeûne manqué qu'il n'a pas pu rattraper. Pareil, c'est l'équivalent
de la même filia. Donc, soit une compensation du jour de jeûne ou de prière due au rattrapage qada, dont la mort s'y est interposée. Cela concerne toute personne ayant manqué un jeûne, pour une raison valable ou non, et devant son qada. Il doit son qada. Ça veut dire son rattrapage. Car ayant eu la possibilité physique et le temps nécessaire pour l'effectuer. Donc, il y avait le mois de Ramadan dernier, par exemple, il lui restait une semaine à rattraper. Il a retardé ça. Il a le droit de retarder pour rattraper quand il veut. Il arrive à un moment donné où, malheureusement, un accident qui l'empêche donc de pouvoir rattraper. Mais il avait la possibilité physique et il avait le temps auparavant. Alors il leur dit, écoutez, si jamais il m'arrive un malheur et je décède, vous voyez, cette semaine-là, ça sera donc payé de ma wasiyya, de mes biens et dans la wasiyya, donc dans la partie testament. Le testament, dans la religion musulmane, dans le droit musulman, ne concerne pas les héritiers légaux, les héritiers qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Ça concerne ceux qui n'en font pas partie. Ça peut être l'orphelinat, ça peut être des personnes étrangères, ça peut être des gens proches de la famille, mais pas des héritiers considérés ainsi dans le Coran et dans la Sunna. Et y compris donc dans le testament, on doit mentionner si jamais on a un bien qu'on a acheté, qui nous appartient quelque part dans le monde et les gens n'en sont pas au courant, pour qu'après le décès, les héritiers n'en soient pas privés. Et si jamais on a une dette envers quelqu'un, on doit le mentionner dans le testament. Et ça, c'est le testament. Le testament, on peut aussi faire bénéficier du tiers de ses biens, de ses richesses, mais pas plus, des gens qui n'appartiennent pas aux héritiers légaux mentionnés dans le Coran et la Sunna. Et si on a des fidyas à payer par rapport à des prières manquées qu'on n'a pas pu rattraper ou des jeûnes manqués qu'on n'a pas pu rattraper alors qu'on pouvait par rapport aux jeûnes, on avait le temps et on avait la santé, dans ce cas-là, il y aura fidyas également. Donc, s'il y a aussi la possibilité légale, est la pureté de la femme, de la dame, quant au menstru, quant au haïd et au louchi, au nifas. La possibilité physique c'est la santé. La personne qui doit le qada et qui correspond aux conditions précitées, donc elle va mentionner ça pour que ce soit payé en tant que fidya. La fidya est un demi-sa' de blé. La fidya est un demi-sa' de blé ou de sa farine. Soit le blé lui-même, soit la farine du blé. Donc le demi-sa', c'est... Un sa', c'est 4 moud. Un sa', c'est 4 moud. Le moud, principalement, c'est le plat des deux mains jointes. Ça, c'est un moud. 4 moud, ça fait un sa'. Pour le blé ou la farine de blé, c'est 2 moud. Ou alors un sa' d'orge, ou de la farine de l'orge, ou alors un sa' de raisin sec, ou un sa' de date, ou un sa' de date. Un sa', c'est 4 moud. Comme on vient de dire, ça c'est un moud. 4 moud, ça fait un sa'. Pour le blé seulement, et selon un avis pour le raisin sec, mais généralement c'est comme ça, pour le blé et la farine de blé, c'est 2 moud, moitié d'un sa'. Pour les 3 autres, ça veut dire orge, raisin sec et date, c'est un sa' complet. Le poids d'un moud standard selon l'imam Abu Hanifa est celui de l'eau. Alors, lorsqu'on vient pour mesurer le poids, on ne va pas mesurer le poids de la farine ou du blé. Le poids standard, c'est celui de l'eau. Très bien. Et donc, à partir de là, on a des calculs
Et on arrive à peu près à, on va dire donc dans ce cas-là, ça correspond à peu près à 2 kilos, hein, de blé. Donc le demi-sa, ça veut dire eux, ils vont considérer que un moud, hein, ça correspond à peu près un peu moins de 1 kilo. Donc grosso modo comme ça, en arrondissant, ça va être à peu près demi-sa, donc 2 kilos. Un peu moins ou un peu plus selon certains fuqaha, mais c'est autour de 2 kilos. Et si c'est des dattes, l'équivalent de dattes ou de raisins, etc., ça va être donc l'équivalent de 4 kilos. Un sa, c'est 4 kilos, moitié, c'est 2 kilos. C'est environ. Donc, après, il y a le calcul du dirham. On ne va pas entrer dans ces détails-là. Donc, ça correspond, selon les Shafi'i, un moud de pèse, un rotul. Donc là, c'est le calcul des rotul. 6 moud. Voilà. Alors, ça fait à peu près. Ça fait à peu près un moud de rotul. Ça fait à peu près un peu moins de 1 kilo. À peu près 1 kilo, un peu moins. Donc 2 moud, c'est à peu près 2 kilos. C'est ce qu'on vient de dire. Ceux qui sont concernés par l'obligation du jeûne. Ceux qui sont concernés par son obligation et non par son effectuation immédiate. Donc, ils doivent le jeûne, mais ils ne peuvent pas le faire. Ils doivent donc le rattrapage. Ceux qui souffrent temporairement. Une personne souffrant de maladies temporaires et curables. Ça veut dire, même si c'est dans 30 ans, même si c'est dans 40 ans, les médecins, ils lui disent, ça c'est quelque chose, avec le temps, ça peut disparaître. Ou il n'y a pas de remède tout de suite, il peut y avoir une opération plus tard. Dans ce cas-là, il faut attendre et rattraper le jour venu. Une personne souffrant de maladies temporaires curables. La dame enceinte ou qui allaite, elle ne peut pas sur le moment. Par exemple, si la femme enceinte, elle peut jeûner, elle doit jeûner. Ce n'est pas parce que la dame, elle est enceinte que forcément, elle ne jeûne pas. C'est faux. Si elle est enceinte, et le jeûne représente pour elle une difficulté majeure, ça veut dire une aggravation de son état de santé, c'est là que elle est autorisée à ne pas jeûner. Ou celle qui allaite, la même chose. Soit parce que il y a un danger pour elle, soit un danger pour le bébé, l'un ou l'autre. Donc à ce moment-là, s'il y a un danger, si c'est quelque chose de sérieux, à ce moment-là, elle ne jeûne pas. Mais elle attendra le temps, même si c'est des années plus tard, et elle rattrapera, et elle n'aura pas de fidya à payer. La dame ayant le hayd, elle n'a pas le droit de jeûner. Et elle doit rattraper plus tard. Le hayd, le minimum, dans le madhhab de l'imam Abu Hanifa, c'est 3 jours d'écoulement. Quand on dit 3 jours d'écoulement, ça ne veut pas dire ça veut dire que c'est. Ça sort petit à petit, mais ça, c'est pas comme un robinet ouvert, bien entendu. Mais c'est tout le temps. Donc ça ne s'arrête pas. Ça continue à sortir pendant 3 jours. Et le maximum de hayd, selon le madhhab Hanafi, c'est 10 jours. 10 jours. Pas 15, comme chez l'imam al-Shafi'i. Le minimum de l'intervalle entre deux haïds, c'est de 15 jours. Comment on peut savoir si c'est haïd ou non? Dans le madhhab de l'imam Abu Hanifa, la dame qui est enceinte, elle ne peut pas avoir haïd. Si elle voit un saignement, c'est pas haïd. Très bien. Dans le madhhab Hanafi, c'est réglé comme ça. Dans le madhhab Hanafi, minimum, c'est 3 jours. Maximum, c'est 10 jours. Et le minimum de la propreté entre deux haïd, c'est 15 jours. Donc c'est avec ça qu'on peut déterminer haïd ou pas haïd.
La dame qui a un sang irrégulier, qu'on ne peut pas considérer comme haïd, elle doit jeûner et elle doit faire la prière. Voilà. La dame ayant l'unifas, c'est quoi l'unifas? C'est l'élouchi. C'est le sang après l'accouchement. Et l'accouchement, qu'est-ce qu'on appelle le minimum de l'accouchement? Ça veut dire qu'il y a eu un fœtus que on peut voir, on peut constater que c'est un petit humain. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui montre que il ne s'agit pas d'un bout de chair quelconque, mais c'est quelque chose qui a une forme, qui est début d'une forme humaine que l'on peut constater. C'est à partir de là, le sang qui suit, on l'appelle nifas. Si jamais il y a eu une fausse couche et que ce qui est sorti, c'est uniquement de sang, là, comme il n'y a pas eu de ce qu'on peut appeler nafs bachariya, ça veut dire quelque chose qui donne la forme que c'est un début d'un corps humain, donc ça ne sera pas nifas. Nifas, c'est après un accouchement, après un fœtus, après donc un corps, même si c'est très petit, mais qui révèle que c'est un corps, début d'un corps humain. Le nifas, au minimum, c'est une goutte, même une toute petite goutte de sang, c'est au minimum, et au maximum, c'est 40 jours, pas 60 comme chez les Chafiïs. Le voyageur, il a le droit de ne pas jeûner. Mais le voyageur, qui c'est le voyageur qui a le droit de ne pas jeûner? C'est celui qui est le jour du jeûne, il est voyageur depuis avant le Fajr. Si à 10 h du matin, on a décidé de voyager, et effectivement on a pris l'avion et on est parti, ce jour de jeûne, il doit être poursuivi. On n'a pas le droit de le rompre. Parce qu'on n'est pas voyageur depuis avant le Fajr. Quelqu'un qui sort de chez lui et il sort de la ville, et à partir du moment où il a quitté la ville, sa ville elle est derrière, là il est voyageur. Mais si il est devenu voyageur alors que c'était pas encore le Fajr, ce jour-là il a le droit de ne pas le jeûner. Si le premier jour je suis sorti à 10 h du matin, ce jour-là je dois le poursuivre. Même si je vais prendre l'avion et je vais partir dans un pays où le jour est très très long. Donc je dois poursuivre jusqu'au Maghreb. Je n'ai pas le droit de le rompre. Je ne peux pas dire je voyage, je romps le jeûne. Non, non. Ce jour-là, je ne suis pas voyageur, je n'ai pas été voyageur depuis avant le Fajr. J'ai été voyageur depuis la matinée ou dans la journée, après Al-Fajr. Donc ce jour-là doit être poursuivi. Le lendemain, je suis encore en voyage parce que là où je suis arrivé, j'ai fait une halte. Je vais y rester un jour. Je vais rester 2 jours. Et d'ailleurs, dans le madhhab hanafi, tant que ce n'est pas 15 jours, la halte, si elle est moins de 15 jours, à ce moment-là, on est toujours voyageur. Très bien. Maintenant, je fais une halte pour 1 jour, 2 jours, 3 jours. Là, je suis voyageur depuis avant le Fajr. J'ai le droit de ne pas jeûner. Mais qu'est-ce qui est meilleur? C'est meilleur de jeûner si le jeûne ne me fatigue pas. Si j'ai la possibilité, ça ne m'épuise pas, alors à ce moment-là, il est préférable pour le voyageur de jeûner. Donc, on a parlé du voyage. Lorsque l'on arrive à destination et que l'on veut y rester moins de 15 jours, on est encore voyageur. On considère ça comme une halte. 15 ou plus, à ce moment-là, on n'est plus voyageur. Je vais arriver dans une ville, je vais y rester 15 jours ou plus. Dès lors que je suis entré dans la ville, je ne vais pas attendre 14 jours. J'arrive dans une ville et je sais que je vais y rester pendant 15 ou plus de jours. Donc, dès l'entrée dans cette ville, je ne suis plus voyageur. Enfin, les conditions de validité du jeûne. Pour que le jeûne soit valable, pour que le jeûne soit valable, il faut être musulman. Quelqu'un qui a fait du kofr, son jeûne ne peut pas être valable.
Saint d'esprit, quelqu'un qui est fou, son jeûne ne peut pas être valable, il n'est pas mukallaf. Du moins dans l'intervalle du temps où l'intention est requise. Ça veut dire qu'il est possible que on ait eu l'intention dans la nuit de jeûner la journée le lendemain. Et dans la journée, on est tombé dans une crise de folie. Cette crise de folie, elle a duré toute la journée. Le jeûne est valable parce qu'il a eu, il était décidé avec une intention valable la nuit. Très bien. Donc ce n'est pas comme dans le madhhab de l'imam al-Shafi'i. Dans le madhhab de l'imam al-Shafi'i, la crise de folie, même un instant, c'est annulatif du jeûne. Selon les Hanafis, c'est pas ça. Ce qui annule, c'est si l'état de folie a couvert la période où on peut avoir l'intention. C'est-à-dire la nuit et la matinée. Donc, pour que le jeûne soit valable, il faut être musulman, saint d'esprit, du moins dans l'intervalle du temps où l'intention est requise. Ça veut dire la nuit et la matinée. Comme on avait vu. Pour les Hanafis, on peut avoir l'intention dans la matinée. Que la dame soit pure quant au haïd et au nifas. Et effectivement, il y a l'intention de l'effectuer. L'intention, c'est au cours de la nuit. Principalement, mais ça peut être aussi dans la matinée. L'intention est une action en le cœur. Même s'il est préférable de l'accompagner d'une formule telle que Nawaitu siyama yaumi ghadin min ramadan lillahi ta'ala imanan wa ihtisaban. Ça veut dire, j'ai l'intention de jeûner la journée de demain, de Ramadan, pour Allah, très vénéré, de par la foi et par recherche de l'agrément de Allah, de lui uniquement. L'intention, comme on vient de dire, elle est décidée la nuit et au plus tard, donc dans la matinée. Pas, il ne faut pas attendre très longtemps, il ne faut pas attendre que le jour soit, on arrive à la moitié du jour. Il faut que ce soit dans la matinée, avant d'arriver à la moitié du jour. Ça, c'est par rapport à un jeûne comme le mois de Ramadan. Par contre, un jeûne dont la détermination de temps est à décider par soi-même. Mais elle n'est pas déterminée d'avance. Comme par exemple un jour de qada, de rattrapage. Je choisis le jour que je veux. Dans ce cas-là, l'intention doit être durant la nuit et ça ne suffit pas que ce soit dans la matinée. Très bien. Donc il y a pas mal, mais ça se résume dans ce que je viens de vous dire. L'abstinence. L'abstinence est le pilier du jeûne. Elle est telle que nous l'avons définie précédemment. Abstinence durant le jour du jeûne, de l'introduction de substances dans les cavités intérieures du corps et qu'elles y soient déposées, de provoquer le vomissement remplissant la bouche, de provoquer le mani, des relations sexuelles, de quelques autres interdits qui y sont relatifs et de la ridda. La ridda, c'est le kufr wal iyazu billahi ta'ala. Qu'est-ce qui rompt le jeûne d'une manière générale? Ce qui rompt le jeûne d'une manière générale, le manquement à l'abstinence, précité lorsque cela est un acte humain fait délibérément. Pourquoi on parle d'un acte humain? Parce que c'est fait par soi ou fait par quelqu'un d'autre. Même si c'est par contrainte, ça va annuler le jeûne dans le madhhab de l'imam Abu Hanifa. Donc, c'est le manquement à l'abstinence. Il y a eu consommation, il y a eu les choses dont on a défini, dont on a parlé tout à l'heure. On a fait mention tout à l'heure. Lorsque cela est un acte humain, fait délibérément, en étant conscient qu'il s'agit de jours de jeûne, et non par oubli. Si c'est par oubli, ça n'annule pas le jeûne. Involontairement, par erreur ou sous contrainte, ça annule. Donc, si c'est délibérément, ça annule. Si c'est involontairement, mais pas par oubli, ça n'annule pas.
Quand c'est un manquement à l'abstinence involontaire, involontaire, ça veut dire par erreur ou sous contrainte, ça annule quand même. Ou inconsciemment, comme lors du sommeil par exemple. Si quelqu'un, pendant le sommeil, il a avalé quelque chose, il a mangé quelque chose, eh bien ça annule. Dans le madhab Hanafi, le cas de l'oubli, c'est, ça n'annule pas. Mais le reste, la contrainte, par erreur, ça annule. Pendant le sommeil, ça annule. C'est pas le sommeil lui-même qui annule. Imaginons que pendant le sommeil, on a avalé de l'eau. On était inconscient. Ça annule quand même. En revanche, ne l'aurons pas ce qui est fait par oubli ou ce qui est l'effet de la nature et non l'homme. Tel que, par exemple, la poussière. Je passe dans la rue, il y a la poussière à cause du vent et j'ai avalé. Ça, c'est l'effet de la nature. Ça n'annule pas. La fumée d'encens ou de la cigarette d'un passant, pas si c'est moi qui viens pour aspirer cette fumée. Alors, et ce que fait le jeûneur en oubliant, le cas de l'oubli n'annule pas. Même si par oubli il mange, même si par oubli il fait le rapport conjugal, tout ça n'annule pas. Alors après, il y a ce qui rompt le jeûne et nécessite qada plus kafara. Et nécessite qada plus kafara. Et il y a ce qui nécessite qada, mais pas de kafara. La kafara, c'est l'expiation. Alors, qu'est-ce qui nécessite rattrapage qada plus expiation? Rompt le jeûne et nécessite le qada et la kafara, la rupture du jeûne décidée depuis la veille pendant le mois béni de Ramadan. Donc si ce n'est pas décidé la veille, l'intention, pas de kafara. Si ce n'est pas un jeûne de Ramadan, pas de kafara. Rupture délibérée sans aucune excuse légitime. Il y a excuse, donc il n'y a pas kafara. Et sans confusion prise en considération. Il y a des confusions prises en considération, il y en a non. Rupture par un des moyens suivants. Manger ou boire délibérément et en toute conscience du jeûne, sans excuse légitime, peut qualifier ce qu'on peut qualifier de aliment ou de remède. Sans, là, on ne parle pas de remède de quelqu'un qui est malade. Parce que la maladie, c'est une excuse. Donc, avaler délibérément et sans excuse légitime, aucune, un aliment ou un remède. Hein, même en toute petite quantité ou en petite goutte. Au travers de quoi? Si c'est au travers de la bouche allant dans la gorge. De la bouche allant dans la gorge, alors que la personne jeûnait jusqu'alors. Là, il y a qada et kafara. Deuxièmement, ce qui nécessite qada et kafara, le jima, la relation conjugale. Il s'agit donc de la relation sexuelle par pénétration de la partie génitale masculine dans la partie génitale féminine ou dans le rectum. Qu'il y ait émission de mani ou non, c'est-à-dire avec ou sans éjaculation, avec ou sans jouissance féminine. Si cela est fait délibérément et en toute conscience, pas d'oubli, du jeûne et non par oubli, mais aussi sans excuse valable aucune, à rappeler que le coït, le rapport dans le rectum, donc dans l'orifice anus, la sodomie est haram même indépendamment du jeûne. Alors, ce qui annule et nécessite une kafara, avaler la salive de son épouse. Parce que ça, c'est considéré comme, c'est vrai que c'est pas un aliment, mais c'est dans le moment de plaisir, c'est considéré comme, un peu comme l'aliment. Manger volontairement après avoir dit une riba, ça c'est pas une confusion prise en considération. Et il y en a qui croient que la riba annule le jeûne, rompt le jeûne. Non, ça n'annule pas le jeûne. Et il y a des gens qui rapportent une soi-disant parole prophétique à ce sujet. Elle n'est pas valable, c'est pas une parole prophétique, et donc c'est pas pris en considération, donc ça annule le jeûne et ça nécessite la kafara si c'est après
Une riba, on a mangé. Et on s'est dit, ben, j'ai fait une riba, une médisance. Mon jeûne n'est plus valable. Cette confusion, elle n'est pas prise en compte. Donc, manger riba ou namima, rapporter les paroles entre plusieurs personnes, deux ou plusieurs, pour la zizanie. Manger en pensant par ignorance que ces péchés rompent le jeûne, cela est une confusion non prise en considération. De même, manger ou boire délibérément après avoir pratiqué al-hijama, la saignée. Là aussi, il y en a qui rapportent que ça annule le jeûne et donc à cause de cela, ils ont une confusion. Cette confusion n'est pas prise en considération. Après avoir caressé ou embrassé. Là aussi, ce n'est pas une confusion prise en considération. Quelqu'un qui croit que ça annule son jeûne parce qu'il a caressé ou il a embrassé, et il s'est dit donc, mon jeûne n'est plus valable, il va manger, ça annule et ça nécessite une kafara. Ou après s'être couché à côté de son épouse, sans que rien de cela ne provoque de manie. Rien que le fait de dormir à côté. Il a considéré que ça annule le jeûne et il est allé manger après. Ça annule et ça nécessite la kafara d'avoir mangé après. En pensant que ça a déjà annulé le jeûne. Ou après avoir enduit ses moustaches en pensant par ignorance que ces choses annulent le jeûne. Donc tout ça, c'est des cas de confusion non prise en considération. Si suite à cela, on est allé manger, eh bien, ça annule et ça nécessite la kafara. Manger ou boire ou faire le jima avant le coucher du soleil, avec le doute que l'heure de le maghrib aurait commencé. Il y a un doute. C'est peut-être le maghrib, peut-être pas le maghrib. Lui-même, il n'est pas sûr. Donc, il va manger. Il va faire le jima. Alors que lui-même, il y a dans son esprit la possibilité que ce soit pas le maghrib. Et il s'avère qu'effectivement, c'était pas le maghrib. Donc là, cette prise de risque, délibérée, injustifiée, elle nécessite, parce qu'il a consommé quand même, et c'était le jour. Alors, la kafara, l'expiation, c'est affranchir un esclave sain d'esprit et du corps. Quand on dit sain d'esprit et du corps, ça veut dire qu'il est capable de travailler. Alors, s'il a un problème de vue, mais il peut voir, s'il a un problème dans un bras, mais il peut travailler avec l'autre, s'il a un problème où il peut marcher, mais il a un problème quand même dans un pied. Mais il peut marcher, il peut travailler, ça passe. De toute façon, de nos jours, il n'y en a pas. Deuxièmement, si on ne peut pas, ça sera, on passe à la chose suivante, c'est de jeûner 2 mois consécutifs. 2 mois consécutifs, c'est 2 mois consécutifs. Si on tombe malade, on recommence du début. Sauf pour la dame qui a son haïd, eh bien celle-ci, elle poursuit après al-haïd. Parce que ça, c'est quelque chose de naturel. Si on commence le jeûne des 2 mois consécutifs, le premier du mois lunaire, on fait 1 mois, puis après le mois suivant, même si c'est 29, 29. Si on commence le 2, le 3, mais pas le premier, là, il va falloir faire 30 plus 30. On ne peut pas faire 29. Lorsqu'on est dans l'incapacité physique de jeûner les 2 mois, pas possible. Selon la santé, pas possible. Eh bien, on passe à l'alternative autre, c'est de donner à manger à 60 pauvres. Pareil que Al-Fidya, ce qu'on va donner, je veux dire, en ce qui concerne la quantité. Et selon les Hanafis, on a le droit de donner la quantité, on a le droit de donner aussi l'équivalent en argent. Puis après, on va parler des critères impliquant la kafara. Je propose qu'on continue demain et pour essayer de terminer un maximum des connaissances et des lois au sujet du jeûne, parce qu'on est dans le mois du jeûne. Et après demain, Inch'Allah, si tout va bien, parce que demain, il y a. Voilà, il peut y avoir parfois des imprévus. En tout cas, ça sera après qu'on fera la suite du programme comme on l'avait promis. C'est-à-dire après avoir parlé du mois
de Ramadan, nous allons parler de l'aqida et nous allons travailler brièvement le livre Al-Fiqh al-Akbar de l'imam Abu Hanifa. Et puis après, nous allons prendre quelques jours pour parler de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons parler des hadiths, des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, etc. Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Donc je dis wa alaykum salam à tous. Je vois maintenant en dernier lieu Chatox, c'est son pseudonyme. Wa alaykum salam habibi. Et Maher, un peu avant, les autres, je ne me rappelle pas de qui est passé. Barakallahu fikum à tous, Alpha Bari, voilà, Barakallahu fikum, Nimi Hanifa, Badr Leon, wa alaykum salam à tous, Barakallahu fikum à tous, Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah et à demain inshallah.